What's going on, guys? Et on se retrouve pour Freja. Un boss horrible. Moyen. Détestant les araignées. J'ai pas peur, mais je déteste les araignées. Bref, alors les araignées, les petites araignées, elles vont réapparaître en fait, petit à petit au bout d'un moment. Donc, tuez-les vite. Et après, passez au boss. Ne perdez pas de temps. Ou alors, vous pouvez complètement les éviter, les ignorer. Après, ce qui est en rapport avec le boss. Alors, ce qu'on veut, c'est ce laser là. C'est qu'une tête fasse son laser. Et après, nous allons faire le tour du corps et attaquer la deuxième tête. Parce qu'il y a deux têtes, hein. Il y a une devant, une derrière. Donc voilà, c'est ce qu'on veut. C'est l'attaque laser. Par contre, elle a d'autres attaques. Donc elle a une charge. Elle a aussi un truc quand elle s'énerve. Il y a les deux têtes en fait qui commencent à cracher de l'acide qui va ronger votre armure, donc faites attention. Et elle va aussi taper sur le sol avec ses pattes. Donc voilà, pas grand chose. Voilà. Pas très très dur, hein. Pas très très dur. On peut toujours utiliser un NPC qu'on trouve pas loin de l'entrée. On peut la distraire un peu, comme ça on peut l'attaquer simplement, comme là. Sinon, bon, boss pas très très dur. Voilà, ça c'est le... Ouais, bah, c'est le laser encore. Plus tard, elle va faire de quelques jets d'acide, vous pourrez voir. Mais voilà, ça c'est du... C'est du repeat, hein, c'est du gros repeat. Hein. C'est laser, on tourne, on tape, laser, on tourne, on tape. Hein. Donc, boss assez simple. Faites attention aux araignées par contre quand même, parce qu'elles réapparaissent au bout d'un moment. Et ça risque de vous poser problème si vous ne faites pas attention. Si, surtout si elles arrivent dans le dos. Donc voilà. Les attaques sont assez prédictibles. Donc c'est assez facile. Voilà, ça c'est l'acide qui va ronger votre équipement. Donc bon, pas très très dur à éviter. Hein. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ces conseils vous auront aidé. À la prochaine, salut.